Je me nomme Traoré Soumaïla, mais communément mes amis m'appellent Ismaël. Et je suis étudiant en troisième année de droit à l'université de Ouagadougou. Je suis le président de l'association des élèves étudiants handicapés du Burkina. Je suis secrétaire chargé des droits humains à la Fédération burkinabé des associations pour la promotion des droits des personnes handicapées. Et je suis membre de la cellule d'animation pour le plaidoyer en faveur de l'application de la Convention des Nations Unies relatives aux droits des personnes handicapées que le Burkina Faso a ratifiée. Dans les rues de nos villes, lorsqu'on rencontre des personnes souffrant d'un handicap, elles sont généralement en situation de mendicité. Ismaël, lui, dans son cas, déjà tout petit, refuse cette fatalité. Il était bandit, il était très bandit. Il sortait, il traversait les rails pour aller chez Papa Diop. Papa Diop, il a Farakan. Non, il était à donc il traversait avec ses amis pour aller chez Papa Diop, aller causer. Quand il joue, il finit, ses amis le prennent, il revient à la maison. Quand il dit ça, le soleil dit que non, le soleil ne me tape pas, que je suis protégé. Et il aimait s'amuser beaucoup, il courait. Et ça m'encourageait. Quand on était à Nyeneta, il y avait même un voisin qu'on appelait Marva. Bon, lui, il levait. Et chaque fois, il se plaisait à aller monter sur le mur. Jusqu'à quand le propriétaire même l'a vu là-bas, il est venu me dire que lui, son fils là-même, qu'il a peur. Quand il a chassé les enfants, il voit, quelqu'un voit ce malais qui est devant. Je dis, qu'il était sur le mur. Je dis, bon, tu vois, on ne peut rien, mais il faut qu'il s'amuse aussi. Alors, un jour, moi, je passais, je l'ai vu sur un mur. Alors, on s'est un peu amusé, et plus tard, quand je l'ai vu encore, il était un peu découragé. Alors, j'ai passé, je lui ai posé juste la question, il dit, mon petit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, il a envie d'un ballon. Je dis, comment tu vas jouer avec un ballon comme ça? Il dit, il peut jouer avec le ballon. Alors, je suis sorti, je suis allé chercher un ballon pour lui. Et quand je l'ai vu jouer, moi-même, j'étais battu, honnêtement. Voilà. Depuis ce jour, j'ai su que ce garçon-là, il peut aller loin. À l'âge d'aller à l'école, son père tente le pari de l'inscrire. Au départ, l'objectif des parents n'était pas forcément d'obtenir des résultats. Ils nourrissaient plutôt le secret espoir de voir leur enfant ressembler aux autres de son âge. J'étais inspiré par l'œuvre d'une japonaise qui a subi les effets de la Seconde Guerre mondiale, qui est née sans membres également. Effectivement, j'avais eu à lire cette œuvre. Et bon, inspirant de cet état de cet enfant, j'ai dit, mais pourquoi il ne pourrait pas être comme, justement, cette fille du Japon. C'est intitulé, son œuvre est intitulée « Née comme ça ». Voilà. Bon, comme j'aimais lire à l'époque, donc, il faut dire que l'œuvre-là m'a vraiment été un grand soutien pour que je puisse l'encadrer à aller à l'école. À l'âge d'aller à l'école, je lui ai dit, mais est-ce que tu vas aller à l'école? Il dit non, il ne part pas. On a fait bagarre, il a refusé d'aller à l'école. J'ai dit, bon, d'accord, au moment où tu as fait bagarre, tu as refusé d'aller à l'école, là, le jour viendra où toi-même tu vas me demander, papa, quand tu devras aller à l'école, tu vas m'appeler et me dire, bon, je vais aller à l'école maintenant. J'attends ce jour. Et on est resté. Son petit frère allait à l'école. Allait à l'école et revenait. Quand il était le moment de sa petite soeur, quand il voulait partir à l'école, il dit, papa, moi aussi je vais partir à l'école. Je dis, c'est ce que j'attendais de ta bouche. Si tu veux partir à l'école, il n'y a pas de problème. La rentrée,
son père est venu voir le fondateur et Balamine Ouattara et mon directeur Meda Théophile, si on peut s'occuper de son enfant qui est handicapé. Il a tenté dans les écoles publiques à Carville, le Nord, A et B, que ça n'a pas marché. J'ai dit au fondateur, si c'est mon enfant, est-ce que vous allez accepter dire que je ne peux pas l'encadrer? Ils ont dit non. Donc envoyez ce petit-là, je vais le prendre en charge. Et en quelques minutes, son papa vient avec le petit. Il le voit rentrer. Et quand le petit est rentré, moi-même, j'étais étonnée. Je lui ai posé la question de me dire son nom. Il me dit qu'il s'appelle Traoré Ismaël. Il dit, est-ce que vous voulez travailler avec moi? Il dit oui, qu'il va travailler avec moi. J'ai demandé à ses camarades, voulez-vous travailler avec ce petit? Que oui. Donc vous avez un nouveau camarade. Donnez-lui une place. En son temps-là, il y avait deux petits qui s'appelaient Sawadogo Abdoulaye et Sawadogo Abdul Karim. Et ils étaient au fond de la classe. Ils ont levé la main. Ismaël est parti s'asseoir parmi côté d'eux. Et là maintenant, c'était l'heure de la lecture. Il faut faire la lecture. La phrase clé, c'était « Ali est vêtu ». J'avais son petit frère dans ma classe. Et maintenant, comment faire pour ne pas frustrer ce petit? J'ai dit, si c'est comme ça, vous allez passer à tour de rôle. Et chacun va lire. Son tour, je vois le monsieur arriver. Et il a placé le bâton au niveau de ses selles. Il a dit, Ali est vêtu. Ses camarades et moi, on était dépassés. On regarde le policier. Il est parti s'asseoir. Et entre-temps, il y a un petit qui était sur la première table et qui est très jeune. Il dit, ce monsieur-là, je vais lui frapper. Il n'a pas de pied, il n'a pas de bras. Je vais lui frapper partir. Je n'ai rien dit. Puis c'est sur une maman. Et maintenant, durant la journée, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il a oublié. Il est tombé dans le pied de Soumaïla. Il a donné un bon coup. Il l'a voyé en train de crier. Ouais. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est Soumaïla, il m'a frappé avec son gourdin. J'ai dit, ah bon? Il a un gourdin? Oui, ça fait mal. Et depuis ce jour-là, les petits ont un peu peur de lui. Mais quand même, c'est un petit qui était très éveillé, très intelligent. Il travaillait. Au départ, bon, il écrivait avec d'abord la bouche. Il mettait le bic dans la bouche. Et puis bon, avec les mouvements donc de la bouche, il écrivait. Bon, il essayait donc de faire les graphiques dans des lettres. Et après maintenant, il a commencé à mettre donc le bic maintenant entre donc les bras ici. Et puis bon, il s'appliquait avec ça. Il se couchait donc sur la table. Mais son écriture était tellement impeccable que vraiment ça nous a tous impressionnés. Thank you.
malgré son courage, les difficultés ne manquent pas, surtout dans sa vie scolaire. Cependant, Ismaël demeure un garçon résolument tourné vers l'avenir. Je n'ai pas de bourse, je n'ai pas de fonds national dédié à l'éducation qu'on appelle FONER. Et c'est assez compliqué. Si tu dois payer ton, comme je dirais, si tu dois payer ton logement, ton déplacement, tes soins, ta nourriture, c'est assez compliqué sans aide. Donc ce qui a fait que ça joue sur mes études, je n'arrive pas à avancer normalement comme les autres. Par exemple, tu dois prendre un taxi et tu dois avoir un accompagnant. Ça veut dire que toutes tes dépenses sont doubles. Non seulement tu dois payer lui son déplacement, tu dois payer toi ton déplacement. Et s'il faut aller manger, il faudrait que tu lui donnes un peu parce qu'il t'aide quoi. C'est vrai qu'il le fait volontiers. Il ne peut pas dépenser à la limite de ses possibilités. Mais quelle est l'origine d'un si lourd handicap? Serait-on tenté de se poser la question? En effet, c'est à l'âge de 2 ans que la vie d'Ismaël va basculer. Un mois de mars, sous la chaleur, accidenté. Vraiment, on ne s'attendait pas. J'étais en service en gare de Maro. À la société RAN, appelée Régie Abidjan Niger. Là qu'il y a eu, en gare de Maro, qu'il y a eu cet accident, par un train express. Bon, je crois que vraiment ce sera difficile de continuer. Je pouvais demander à sa maman de le dire parce que bon, de dire le reste. Parce qu'en tant que responsable, vraiment c'est difficile. À peine je venais d'accoucher le petit frère de Ismaël, juste un mois. À l'aiguille. J'ai demandé à son papa, j'ai dit, mais pourquoi le train est garé à l'aiguille? Son papa dit que lui-même, il ne sait pas. Donc, il a pris le chemin, il est parti. Maintenant, arrivé, il y avait des gens qui amenaient quelque chose. Quand ils sont arrivés auprès de lui, il a ouvert, j'ai vu qu'ils sont accroupis. Donc, moi aussi, j'ai commencé à courir. Et si je ne dis pas que c'était mon fils. Aujourd'hui, ce handicap s'est considéré comme si j'étais né avec parce que je ne me rappelle absolument pas de cet accident. Souvent, quand les gens te voient, par exemple, pour la première fois, d'abord c'est la peur. On n'a jamais vu une personne comme ça avec un handicap aussi lourd. Donc, d'abord, c'est une situation de crainte. D'autres disent qu'il fallait laisser l'enfant mourir. Je dis, comment je vais laisser mon enfant mourir? S'il allait mourir, Dieu allait le tuer. Dieu n'allait pas le laisser vivre jusqu'à 30 ans. À l'âge de 2 ans, jusqu'à 32, à la semaine à 33 ans cette année. Donc, je ne peux pas laisser mon fils mourir. C'est que c'est son destin. Quand Dieu te donne un destin, il faut l'attraper comme ça. Même si Dieu te donne un serpent là, et ta femme là, il faut prendre ça attaché sur toi. Il ne faut pas laisser lapider par les gens. Ce qui m'a marqué avec ma maman, c'est surtout son courage à ne pas baisser les bras malgré ce que les gens racontaient sur moi. Voilà, avec ton enfant, il ne va pas pouvoir réussir, il ne va pas devenir quelqu'un de bien. Mais tu lui as dit qu'elle était toujours là à côté de moi, elle me donnait le maximum d'amour possible pour que je puisse dépasser tous ces préjugés-là. Et c'était difficile, mais bon, elle était courageuse. Et même ma grand-mère aussi était courageuse, c'est elle qui était à côté de moi à chaque fois quand j'étais à l'hôpital. Et chaque 2 ou 3 ans, il fallait que je subisse une opération pour pouvoir être plus opérationnel. Parce qu'en grandissant, les os grandissaient et ça traversait la peau. Et chaque fois, ma maman devrait être à côté de moi à l'hôpital après l'opération. Et je faisais un mois à l'hôpital comme ça. Et chaque 3 ans, c'était pareil. Et maintenant, la croissance s'est arrêtée. Et c'est assez intéressant. Maintenant, je suis en pleine forme. Dans le cœur, jamais le vent n'emplit de peur. Et plus
Mon souci, c'était d'agrandir son restaurant, le rendre plus opérationnel. Et ce serait une fierté pour moi. J'aurais fait quelque chose de très important, montrer à maman que je l'aimais et que je pense à elle. Voilà. Pour tout ce qu'elle a fait pour moi, j'aimerais vraiment la remercier en lui créant cet emploi-là. Et c'est lui qui a eu à appeler le foyer avec gaz pour que je puisse améliorer la cuisine. On a la rage dans le cœur, jamais le cœur pris de peur. On a tous nos années-lumière, on a tous nos années de peine. Mais on se battra jusqu'au bout, à tous les coups on s'en sortira. Et tu verras, Inch'Allah, en vrai combattant, on fera le beau temps. Tant pis si tu nous réunis, l'essentiel est que Dieu nous anime. De toute sa gloire, de toute sa grâce, quoi que tu fasses, on ne baissera pas les bras. On a la rage dans le cœur, jamais le vent rempli de peur, et plus le droit à l'erreur. Inch'Allah, Inch'Allah. Armé de courage, de volonté, d'abnégation et sans complexe, Ismaël va relever le défi du handicap et vaincre la fatalité. Un exemple de courage qui se laisse apprécier. Il est vraiment tout ce qu'il y a de sympathique, de formidable. Il est d'abord très accessible, il est ouvert, il a ce côté comique qui fait que facilement il capte l'attention et puis voilà. Sur le plan humain, il n'y a rien à dire, il est vraiment humain. Si on a de bonnes volontés et qu'on a des objectifs à atteindre, je pense que c'est vraiment. Donc de ce point de vue, je peux l'encourager et demander surtout à ses camarades aussi de soutenir pour quand même qu'ils puissent atteindre les objectifs. Inch'Allah, Inch'Allah. Le problème de l'handicap est une question transversale, ça veut dire que ça touche tous les domaines. J'aimerais que tous les ministères se joignent à notre combat et qu'on essaye d'avoir des stratégies ensemble pour que le problème des personnes handicapées puisse être pris en compte dans tous les programmes et politiques du gouvernement. Par exemple, si je prends le cas de l'éducation, normalement, il devrait y avoir des quotas de bourses, par exemple, pour les personnes handicapées chaque année. Et par exemple, si je prends le problème, là-bas, l'éducation sera assurée. Ensuite, si on prend le volet à emploi, il faudra aussi que le ministère de la fonction publique essaie aussi d'avoir des quotas d'emploi pour les personnes handicapées. Et comme c'est une question, comme je l'ai dit, transversale, du côté des transports, il va falloir qu'il y ait quelque chose aussi spécifiquement pour les personnes handicapées. Et comme ça, je suis sûr que dans 5 ans, les personnes handicapées vont les verrer plus dehors en train de mendier. Mon objectif premier, c'est de trouver un emploi et que cet emploi me permette maintenant de payer le restant de ma scolarité, que j'arrive avec mon propre argent m'inscrire parce que je ne veux pas dépendre des gens à chaque fois. C'est de pouvoir me prendre en charge et que les autres aussi puissent, qui sont un peu essoufflés, qu'ils puissent aussi se reposer. Parce que je ne peux pas toujours tendre la main pour qu'on m'aide pour m'inscrire à l'université. Et c'est assez difficile. Le souhait qui me tient le plus au cœur, c'est de servir mon pays, le Burkina Faso. Être un homme vraiment intègre, digne, fier de servir mon pays. Je lui souhaite beaucoup de courage et beaucoup de succès dans la vie. Que Dieu lui donne longue vie et que moi aussi je ne meurs pas vite. C'est mon souhait. Je ne demande pas beaucoup de choses. Je veux simplement vivre et vivre. S'il est écrit que la vie de l'homme est un combat, celle d'Ismaël en est l'illustration. Comme pour dire qu'il n'y a rien d'impossible pour qui a de la volonté et du courage.
nous sommes à ce que nous devons nous nous devons 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 I'm not going to be able to do this.